Au départ, j'étais très déstabilisée parce qu'on est vraiment dans le noir, on ne sait pas où on met les pieds. Les gens rentrent et du coup, ils sont tous en train d'errer comme ça. Et le trou noir. Le trou noir, avec un espoir, cette lumière au loin. Un bain de lumière couleur. C'est assez impressionnant l'effet que la lumière fait sur l'œil. Oui, c'est assez surprenant. Une matière indéfinissable, on a envie de toucher, mais quand on touche, on n'atteint rien. C'est ça qui est fantastique. Ça fait des nouveaux sens. Il y a quelque chose de très apaisant et calme. Transcendant, c'est peut-être un peu trop, mais presque planant en fait. Ça fait pas mal de sensations. C'est très ancré dans l'art contemporain, clairement, mais tout le monde peut y vivre un peu son expérience. Il ne faut pas forcément non plus chercher à rendre la chose trop rationnelle et à trop comprendre et se laisser emporter. Pour moi, ça a été vraiment une grande expérience. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que personne ne pouvait me le décrire. Tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, c'est quelque chose à vivre. C'est agréable. Allez-y.